Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Papy Cassette Survival. Il est 20h48 et nous sommes le lundi 22 avril 2019. Donc, récapitulons, j'ai vu un mouton, il m'a passé sous le nez, j'ai reconfiguré ma souris pour pouvoir attraper dans les griffes. Et j'ai ramené donc du métal. Ah, j'ai encore 200 là, dis donc. J'avais pas vu... J'avais pourvu. Allez, hop, on vide un petit peu tout ça. On attend, on met de la pierre. Et... C'est quoi ça? De la pierre et du silex. Ça, non. Ça, on va mettre aussi pour faire la poudre à canon. Voilà. Les lingots, on met dans l'atelier. Voilà. Ok, ça marche. Allez, on vide l'aigle. J'en ai encore 200 exact. Voilà. On va mettre dans la forge. Ok, ça marche. Forge. Ok. Ah, j'ai pas assez de place. Bon, tant pis, on va mettre dans l'atelier. En attendant. Attends, ça, c'est... Je peux faire un centre d'usinage. Bon, pour besoin. Des balles de fusil long. Ouais, ça serait intéressant aussi. Qu'est-ce que je vais récupérer, moi? Ça, on s'en fout. Ça, c'est à brûler, moi, maintenant. qu'est-ce que je voulais récupérer? J'ai mis quelque chose là-dedans. Un peu trop vite. Je sais plus. Ah oui, le charbon. La pierre, je vais la mettre aussi là-bas. Ok. Voilà. Pierre. Ok. Tu as encore 400 dans l'argentavis de... 400? Ah bon? J'en ai vu que 200. Ok, Shiro. J'y vais. Voyons voir. Toujours pas de neuf. C'est sûr, hein, je suis pas aveugle, non? Non, bah non. Je me suis fait avoir. On m'a vend... Ah ouais, 400, t'as raison. J'avais pas... Ouais. Je me suis fait roubler par Mamicorse qui m'a filé des mosh-up stériles. Incroyable. Je pensais pas qu'elle aurait pu me faire ça. Tu les as pas stérilisés, non? Parce que tu peux, hein. Ouais, pour m'embêter. Ok, comme ça c'est fait. Ok, ça marche. Ouais, Fir. T'as ta famille qui est stérilisée là. Donne-moi ça. Depuis hier, j'ai pas d'œuf. Alors, tenue en cuir, on va virer ça, ça. Ah oui, la sève de Patricia. Regain. Comment je suis de kilo là? Hop, survivant. Oh, c'est bon. Attends, on va prendre tout ça. Ça, on enlève. C'est une selle de quoi ça? Une selle d'oiseau terreur rare. Ouais. Et une selle d'araneo. Ok. Poids 238. Oh, c'est bon. C'est du tout bon. On va mettre tout ça là-dedans. Pas besoin. Tac. Par contre, je vais prendre la viande, je vais mettre dans la mangeoire. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est dans le pilon. Ok. Si les méchottes pondent. Si, si, ça fait des œufs, Fier, bien sûr. Alors, bah, faut reproduire les mochops et tu auras des œufs fécondés. C'est pas grave, tu peux en servir pour faire les. Ah ouais? Donc faut que je les mette en promenade, non? Non, non, non. Accouplement. Accouplement, mais ils vont se barrer. Non, non. Alors attends, autre option? Permettre l'accouplement. Ça te dérange pas si je te mets en accouplement avec quasi Nofir? Allez. Voilà. Je t'ai mis aussi en bras.
Timbré là. Voilà. Bon voilà, hein, j'ai permis. Hein. Oh là, ça fait du bruit. Hein. Oh là. Plus c'est gros, plus ça fait du bruit. Ah misère. C'est... Allez. Trêve de plaisanterie. Ah, je suis complet là. Hein. Ouais, 75 sur 75. Pour les enfermer dedans et mêler en promenade. Ah d'accord. Un enclos. Bah, ils sont déjà dans un enclos là, Chiro. Non, faut pas mettre en promenade pour faire une sonde. Ouais, faut que je les mette en promenade. Hein. C'est bien ce qui me semblait. Hein. Tu les as pas mis en promenade, toi? Bon, bah, Patricia, les a pas mis en promenade. Tiens, qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Un œuf noir. Non, c'est pas ça. Hein. Il est périmé, son œuf. Là. Attends, attends, regarde, 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 il s'accouple, il s'accouple. Regarde, regarde, 54%, 55%. Il s'accouple. Il s'accouple par télépathie. Hein. Bizarre, hein, il me chope. Fier le Québécois. Non, regarde, tu vois, j'ai pas mis en promenade et il s'accouple. Voilà, lui il a 47%. Il a arrêté de s'accoupler, lui. Ah, 84. Oula, il a mis un bon coup là. Oh, 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 hey. Hein? Ça fait un peu 85. 87, 88. Hein? 96. C'est trop ça. Ça y est, j'ai un E9. Oh, qui c'est? Oh, je veux dire merci à qui là? J'ai un E9 fécondé. Oh, j'ai un autre E9. Hey! Il s'empile pas. Merci Chiro. C'est Chiro hein, qui m'a fait dire ça. Hein. Bien, bien, bien. Voilà, voisine de Fir. Ouais, ouais, Rem. Deux à la fois en plus. Eh alors, hein, c'est un étalon Fir. C'est un gros étalon. Eh ouais, voilà, c'est impeccable. Deux neufs. Et j'en avais pas depuis hier. Et là, pof, je suis vos conseils. Bah voilà. Hein. Vous faites partie de ma tribu. Hein? Faut que je désactive la fécondation? Pas question, la voisine. Ah, trop tard, t'as un œuf. Hein. Je le fais éclore ou pas? On verra la tête de ton gosse. Ouais, c'est bon. Oui, donc, faut arrêter la. Hein? Fier, il a pas le temps de. Niaiser. C'est quoi ça, niaiser? Je connais pas ça, niaiser. Faut que je désactive la fécondation. Bon, alors, tu la désactives aussi, toi, Thio? Non. Et puis, t'as toujours des œufs fécondés? Ah oui, désactiver la. Oui. Enfin, la fécondation, la reproduction. Ouais. Oui, oui, faut le désactiver. Alors, désactiver l'accouplement, c'est ça, hein? C'est ça. D'accord, ok. Ouais. Bon. Désactiver l'accouplement. Bon, maintenant que il y a eu le premier nœud neuf, hein, maintenant que c'est plus large, peut-être que ça va un peu plus sortir. On sait pas, hein. C'est l'intelligence artificielle. On verra bien, hein. Niaiser, c'est perdre son temps. D'accord, Fia. Merci. Pas le temps de blaguer. D'accord, ok. Je savais pas. Niaiser, franchement, je savais pas. De blaguer. D'accord, ok. Ah non, je connaissais pas ce mot. Hein. Tu connaissais, toi, niaiser? Je connaissais pas le sens, j'avais déjà entendu. Ah ouais? Jamais entendu ça, moi. Chien, il a fait une faute de frappe et puis il est un petit peu incorrect, Rem, mais non. Non, non, c'est bien. C'est bien de niaiser. Bah, je dis ce que j'ai pensé, c'est tout. Attends. Voilà, j'ai appris un mot, niaiser, mais je sais pas si je vais le redire. Hein? Ça fait un petit peu cliché. Non, Neuilly sur. Hein? Oh, cher ami, j'ai pas le temps de niaiser avec vous. Oh, niaiser, vous connaissez. Ah, papy connaît maintenant. Niaiser. Moi, ouais, c'est bon. Hein? C'est pas mal. Ça y est, moi j'ai eu deux gros neufs. C'est vrai qu'ils sont aussi gros que leur tête. Plus gros que leur tête.
Donc leur anus, il est plus... non, c'est pas par l'anus, tu me diras. C'est par l'autre, là. C'est pour, par l'anus qu'ils pondent des œufs. Ouais, c'est ça. Bah, j'avais raison, alors. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, ouais, ils ont confiance, hein. Ils ont confiance en leur tête. On peut leur dire tête d'anus, maintenant. Allez, c'est bon, continue. Hein? Car tu as du temps avant qu'il s'accouple. D'accord, donc demain, je remets ça, Chiro. Hein? Demain, parce que je sais qu'avec les loups, quand je faisais de la reproduction de loups, il y avait un laps de temps, je crois que c'est 16 heures, avant de les re-accoupler. Voilà. Donc je pense que c'est pareil pour les autres. C'est ça? C'est la même chose? C'est 24 heures? Moi, je crois que c'était 16-18 heures. D'accord, ok. Bon. Bon, bah, c'est du tout bon. C'est du tout bon. Qu'est-ce que j'ai, moi, là-dedans? J'ai de la viande, tu la gardes. La sève. Ok. J'ai de la sève si tu veux à t'échanger, ma puce. Ah? Tu... Ah? Ah oui, j'ai ma faucille. J'ai ma faucille. Oh là, c'est Twitch diapo. Ah, sérieux? Ah ouais, c'est vrai. Ouais, 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 ouais. Twitch diapo. Ah, oh, purée. Pourquoi ça fait ça? Donc, merci de m'avoir suivi. Rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao, bye bye.